Comment optimiser son crédit immobilier? Dans cette vidéo, je vais te donner trois astuces qui vont te permettre d'optimiser ton crédit immobilier afin de dégager plus de cash flow ou même obtenir de quoi faire un remboursement anticipé. Donc reste bien jusqu'à la fin car je crois que ces trois conseils vont pouvoir t'aider dans ta carrière d'investisseur immobilier. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès le moment où tu vas faire ça, la vidéo va être mieux référencée sur YouTube et ça va nous permettre de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Donc sans plus tarder, je vais commencer la vidéo et je vais te donner les trois astuces qui vont te permettre d'optimiser ton crédit immobilier. Alors, je me retrouve ici à Montréal suite à 2 mois d'absence. Donc, j'ai fait l'Europe, je suis également parti en Amérique latine. Et là, je suis revenu sur Montréal avant de repartir vers de nouvelles destinations. Alors, comment optimiser ton crédit immobilier? Avant de te donner les trois astuces, je vais déjà t'expliquer comment est-ce que le crédit immobilier va te permettre d'atteindre tes objectifs en immobilier. Beaucoup de personnes ont peur du crédit. Donc, dès qu'on parle du crédit, tout de suite, c'est une mauvaise connotation. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre bon crédit et mauvais crédit. Le crédit immobilier, c'est un très bon crédit dans le sens où tu t'endettes pour acheter un actif qui va te générer de l'argent. Je te donne un exemple de mauvais crédit. Tu vas prendre un crédit pour acheter une auto. Dès que tu vas sortir de chez le concessionnaire, tu perds déjà 20% de l'argent que tu viens de payer pour ta voiture. Pourquoi? Parce que du moment où la voiture sort du concessionnaire, elle perd 20% de sa valeur, donc indirectement tu perds de l'argent. Et en plus de cela, la voiture c'est un passif, donc c'est quelque chose qui se déprécie avec le temps, alors que l'immobilier c'est quelque chose qui s'apprécie avec le temps. C'est un peu comme les montres de luxe. Les montres de luxe, tu vas acheter une montre de luxe, tu vas acheter une Rolex, une Hublot, c'est quelque chose qui prend de la valeur et que tu pourras revendre plus cher plus tard. Donc c'est la même chose en immobilier. La particularité de l'immobilier c'est quoi? C'est que tu peux utiliser l'argent des autres pour pouvoir investir en immobilier. Contrairement à la bourse, contrairement à l'or, contrairement au vin, où tu dois utiliser tes fonds propres pour pouvoir te procurer cet actif-là, l'immobilier, avec l'immobilier, ce n'est pas nécessaire. Tu peux faire appel à des banques, faire appel à des institutions privées, faire appel à des prêteurs privés pour te permettre d'obtenir ton bien. Donc, quelles sont les trois astuces pour optimiser ton crédit immobilier une fois que tu l'as obtenu? La première astuce, c'est quoi? C'est de tout simplement renégocier ton taux d'intérêt. Donc, je te donne un exemple. Moi, mon deuxième bien immobilier que j'avais acheté en Île-de-France, juste à côté de Paris, à l'époque, j'avais eu un taux de 2,70% sur 25 ans. 2,70% sur 25 ans. Ce qui est correct au Québec, ce qui est beaucoup, par exemple, en France, où les taux aujourd'hui sont de l'ordre de 1,30, 1,5, 1,60. Maximum. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai emprunté à 2,70%. J'ai fait mon étude de marché. Donc, c'est-à-dire, je suis allé voir des courtiers, je suis allé voir des comparateurs en prêt immobilier et j'ai noté que les prix avaient diminué. Donc, qu'est-ce que moi, je suis allé faire? C'est que je suis allé voir ma banque et je suis allé lui dire, là, en ce moment, le prix, le taux du marché est de 1,5 en moyenne. Moi, je suis à 2,70. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a moyen que vous révisez le taux à la baisse ou potentiellement je peux aller voir quelqu'un d'autre en fait, je peux aller voir un concurrent à vous. Et là, les banques, quand tu vas présenter ça à la banque, elles se sentent entre guillemets en danger parce que si potentiellement elles ne s'alignent pas par rapport au marché, elles risquent de perdre un client qui est toi parce que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu es là pour gagner de l'argent, donc qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas essayer d'obtenir les meilleures conditions possibles. Donc, la banque, dans la plupart des cas, elle va s'aligner. Surtout si l'écart il est assez conséquent, la banque va s'aligner afin de pouvoir te permettre de rester chez eux en fait. Car ils ont plus à gagner en te gardant client sur le long terme qu'à te perdre par rapport à une économie sur le taux d'intérêt qui t'auront facturé. Donc moi, ce que je t'invite à faire pour cette première astuce, c'est si tu as un taux d'intérêt par rapport à un crédit immobilier que tu as souscrit il y a plus de 5 ans, par exemple 3 à 5 ans, moi, je t'invite vraiment à faire une étude de marché et aller voir si il y a des banques
autre que la tienne qui offre ces taux d'intérêt-là. Si c'est le cas, tu peux obtenir un justificatif, donc c'est-à-dire peut-être une étude de financement d'une banque concurrente à la tienne, et retourner voir ton conseiller bancaire, ton conseiller financier, ta banque de manière générale pour leur dire, regardez les gars, là, on m'offre un taux beaucoup plus avantageux que le vôtre, donc s'il vous plaît, je vous invite à vous aligner, sinon moi j'irai voir ailleurs. Ça, c'est la première astuce. La deuxième chose que tu peux également faire, c'est tout simplement renégocier la durée de ton prêt. Ok? Moi, je vais t'expliquer une erreur que j'ai faite pour mes premiers investissements, mes deux premiers investissements. J'ai pris une durée de 15 ans. 15 ans, ce qui est tout à fait stupide de ma part parce que moi, à l'époque, je m'étais pas formé. Voilà, je voulais faire un peu comme monsieur, madame, tout le monde, j'ai voulu acheter comme mes amis, etc., mes collègues et tout. Et donc, eux, leur dicton, c'était quoi? C'était de emprunter sur la durée la plus courte pour pouvoir rembourser rapidement et toucher pleinement les loyers rapidement. Et je pense que 80% des investisseurs qui ne se forment pas, c'est ce qu'ils font. Et même moi, de base, c'est-à-dire, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je veux rester endetté aussi longtemps? Alors que j'ai la possibilité de raccourcir ma durée d'emprunt. Et c'est là où en fait la différence se fait entre les bons investisseurs et les vrais investisseurs. Parce que les vrais investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre la durée la plus longue. Parce que qui dit durée la plus longue dit cash flow plus conséquent. Ok? Donc si toi par exemple aujourd'hui tu es investisseur ou si tu prévois d'investir en immobilier, s'il te plaît, ne prends jamais une durée en bas de 20, voire même du 25%. Prends le maximum. Si on peut même te donner même un prêt sur 100 ans, prends-le parce que honnêtement, ça te fera des mensualités tellement faibles que tu vas pouvoir mettre un loyer en face au prix du marché, mais la différence sera dans ta poche. Ok, donc moi, c'est ce que je t'invite à faire et c'est ce que j'ai fait suite à m'être formé, suite à avoir côtoyé pas mal d'investisseurs. J'ai vu que la plupart, ils allaient tous vers du 20, 25, voire même du 30 ans. Moi, j'ai un prêt qui va jusqu'à 35 ans et je te jure que derrière, ça me donne un cash flow vraiment considérable. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment aller voir tes banques et de voir si tu peux renégocier ton prêt. Moi, ce que j'avais fait pour l'un de mes biens, c'est-à-dire que j'ai renégocié le taux et la durée du prêt en même temps. C'est-à-dire que je suis passé de 2,70 à 1,65, je crois. Et la durée, j'ai fait passer de 15 ans à 25 ans. Donc j'ai pris 10 ans supplémentaires et je crois qu'en termes de cash flow, en termes de mensualité, j'ai diminué ma mensualité de près de 275 euros. Donc imagine ce que ça fait. Ça veut dire que par mois, je génère 275 euros de cash flow supplémentaire. Donc, c'est d'autant mieux parce que ça diminue mon taux d'endettement, premièrement, et deuxièmement, ça me génère plus de cash flow afin de pouvoir subvenir à mes besoins ou même réinvestir ça dans d'autres véhicules ou même dans d'autres investissements immobiliers. La troisième astuce que tu peux faire, et ça, je pense, c'est la plus intéressante. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour connaître cette astuce. La troisième astuce que tu peux faire pour optimiser ton crédit immobilier, c'est quoi? C'est de demander un arrêt partiel de tes mensualités. Arrêt total ou arrêt partiel de tes mensualités. Qu'est-ce que ça veut dire arrêt total de tes mensualités? Ça veut dire que pendant un an, dépendamment des banques, ça dépend une fois de plus, ça dépend des conditions générales des banques. Ce n'est pas toutes les banques qui acceptent, mais il y a certaines banques. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment lire dans toutes les conditions de ton offre de prêt, si c'est possible de le faire. Mais par exemple, moi, j'ai une banque avec laquelle je travaille et avec laquelle la plupart de nos participants qui ont suivi la masterclass travaillent. C'est quoi? C'est que cette banque-là te permet pendant un an de ne pas payer de crédit immobilier. Donc, pendant un an, tu rembourses rien. OK? Donc, imagine, tu as un loyer de 2000 euros ou de 2000 dollars et tu rembourses 1500. Bon, voilà, on va arrondir. On va dire que tu as 500 de cash flow. Là, au lieu d'avoir 500 de cash flow, tu as les 2000 qui tombent pleinement dans ta poche. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est-à-dire que si pendant un an, tu coupes tes mensualités, c'est-à-dire tu arrêtes de rembourser, tu vas encaisser 2000 par mois. Donc, ça va faire 2000 fois 12, ça va faire 24 000. Et cette somme-là, qu'est-ce que tu peux faire avec? Soit tu l'utilises pour réinvestir en immobilier parce que 24 000 euros, dollars, c'est quasiment un apport. Soit tu peux utiliser ce montant-là pour tout simplement faire un remboursement anticipé d'un autre crédit immobilier ou même du crédit en question. Ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de diminuer les mensualités de ton crédit immobilier et indirectement de générer plus de cash flow.
Mais moi, ce que je te recommanderais, si tu fais cette opération-là, ça serait d'utiliser ce capital-là soit pour créer un fonds de sécurité, soit pour créer un fonds d'investissement qui va pouvoir sécuriser la banque, c'est-à-dire rassurer la banque lorsque tu vas vouloir demander un nouveau financement, soit tout simplement pour l'investir dans ton parc immobilier pour des travaux, pour des rénovations ou même comme apport pour un prochain bien immobilier. Donc, c'est ça les trois astuces que je voulais te partager. Pour récapituler, la première astuce, c'est de quoi? C'est de négocier son taux d'intérêt auprès de ta banque. Donc, si tu as un taux d'intérêt qui est à 1,25% plus élevé que la moyenne du marché, moi, je t'invite vraiment à aller faire une étude de marché, sortir des comparables en termes de taux et d'aller challenger ta banque afin d'obtenir le meilleur taux du marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de quoi? C'est de négocier la durée du prêt, c'est-à-dire de rallonger la durée du prêt. Si tu as des prêts qui sont entre 15, 20, voire même du 25 ans, tu peux essayer d'obtenir une durée supplémentaire afin de lisser ta période d'amortissement au maximum et générer plus de cash flow. Tu peux également faire les deux, en fait, c'est-à-dire négocier à la fois le taux et la durée. Et enfin, tu peux faire une demande d'arrêt de prélèvement sur une année ou même sur plusieurs mois si tu le veux, afin d'encaisser le maximum de loyer, ne pas rembourser de prêt et encaisser le maximum de loyer sur une période donnée, afin de te constituer un fonds qui va te permettre soit de rembourser un autre prêt immobilier, soit de rembourser ton prêt pour lequel tu as fait l'arrêt de paiement, soit réinvestir ça dans ton parc immobilier, utiliser ça pour un deuxième investissement immobilier, etc. Donc voilà, c'est les trois astuces que je tenais à te partager. Je t'invite vraiment à me mettre dans les commentaires ce que tu penses de ces astuces. Quelles sont les astuces que toi-même tu utilises? Est-ce que tu vas utiliser les astuces que je t'ai partagées? Mets-moi ça dans les commentaires. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et moi, je t'invite vraiment à regarder également dans le lien en dessous, car tu auras accès à la masterclass où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années pour lever près de 12,5 millions de parcs immobiliers en seulement quelques mois justement. Donc je t'invite vraiment à regarder cette masterclass et moi je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, toujours à Montréal, avant de retourner vers de nouvelles destinations. C'est Florent de Global Investisseur et je te souhaite que le meilleur pour ta réussite. À la semaine prochaine. Ciao.